C'est Lou. Comment ça va, Tony? Bien. C'est du bon. Oui, il est meilleur que la dernière fois, mais c'est tout ce qui reste. T'en fais pas, je m'en occupe. Allô? Bah, il était temps. Ce soir? D'accord. L'endroit habituel? D'accord. T'es toujours dans le coup? Mike, j'ai eu ton appel. Ça, je le cherche. Le voilà qui arrive. Mike, cette fois, il faut qu'on le chope. Mais faut faire gaffe, il y a du monde. Et avec les tankers, on pourra pas tirer. Allons-y. Police. Mike, tu vas me boucler ces gars. Allons-y, mon pote. Il y en a bien 7 de marqués.
Oui, je crois. Oui, on dirait. Je crois qu'il soupçonnait quelque chose. Non. Ce truc passe dans trop de mains. On a intérêt à s'en débarrasser. Bonsoir, messieurs. Alors, on veut faire un peu de commerce. La cam, vite. Allez chercher la voiture. Il a essayé de nous doubler. T'as intérêt à filer, vite. Vous avez réussi à m'échapper la dernière fois, mais cette fois-ci, je ne vous lâcherai pas. Rien ne peut me faire autant plaisir. Monsieur D'Angelo, comment... Je suis à vous dans un instant. Vous êtes en retard. Et j'ai dû faire un peu de nettoyage. Ma patience a des limites, rappelez-vous-en. Je ne tolérerai plus la moindre erreur. Vous n'aurez pas d'ennui. Ça vaudrait mieux pour vous. Venez vous joindre à nous. Voilà un petit bonus pour toi, mon gars. Allez, amuse-toi bien. Hey, merci, Lou. Faut que je bookine ce soir, examen demain. Mais je saurai quoi en faire aux vacances. Bon, je t'appellerai à la prochaine cargaison. Sûr. Hey. T'es là? Je m'en vais, Ken. Et surtout, n'essaye pas de me retenir. Ah, tu t'en vas? Qu'est-ce qui te prend? J'ai nettoyé l'appartement et regarde ce que j'ai trouvé. Attends, je vais t'expliquer. Je ne me drogue pas, tu le sais bien. Non, mais ce que tu fais est bien plus moche. Du calme, laisse-moi au moins t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Voyons, sois raisonnable, comment veux-tu payer le loyer? Et puis il me faut du fric pour mes études. Tes études? Oh, je t'en prie. Et les filles qui ont pris une overdose au dortoir l'autre jour, qu'est-ce que tu en dis?
Est-ce que tu peux me jurer que ça n'est pas ta drogue à toi qui les a tués? Dans ce cas, jure-le-moi. Tu es vraiment très dure avec moi, ma chérie. En ce qui me concerne, c'est assez. Plus que je ne peux en supporter. Mais tu ne peux pas partir. Je ne te laisserai pas. Ken, tu ne peux pas m'en empêcher. Écoute, laisse-moi au moins t'expliquer. Non! Tina! Tina! Oh mon Dieu! Allô, Lou? Je te l'ai dit, c'est un accident. Peut-être, mais elle est bien morte. D'où venait-elle? Pas loin d'ici. De la famille? Juste un frère. Dans la mesure où c'est un accident, tu n'y es pour rien, tu ferais peut-être mieux d'appeler la police. Si t'as de la cam à la maison, fais-la disparaître. J'ai bien peur que ça ne soit pas aussi simple, Lou. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était pas un accident? C'était un accident. C'est pour son frère. C'est pour ça que je t'ai appelé d'abord. Qu'est-ce qu'il a, son frère? C'est un flic. Salut Andy. Salut Tom. Une nuit calme? Ouais, pas mal. C'est quoi ça? Je l'ai pris sur un clodo. Ah, mais si c'est le type qui vient juste de coffrer, il y a de grandes chances pour qu'il l'ait volé. C'est aussi ce que je pense. Salut Andy. Tu es là en pleine forme. Ça va, et toi Chuck? Tout va bien. La surveillance dans cette unité spéciale est pleine d'imprévus. Mais comme toujours, c'est vous, la brigade antidrogue, qui récoltez les honneurs. Tom, quand tu auras vu ceci, tu mettras le dossier chez Attaway. D'accord. Messieurs, je vous tire ma révérence. Ben, je crois que je vais en faire autant. C'est mieux comme ça, mon gars. Avec un peu de chance, ils croiront qu'elle s'est cognée par suite d'une overdose. Ou ils penseront qu'un vendeur l'a zigouillée. Et s'ils découvrent que je la connaissais? Tu leur diras qu'elle était partie il y a deux semaines. Quand son frère apprendra qu'elle couchait chez toi au lieu d'être dans sa chambre qu'il lui payait à la cité, il la croira capable de tout. Allez, on va l'emmener, ne perdons pas de temps. Débarrassons-nous de ces affaires. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donnez-les-moi. Je sais faire disparaître les preuves. Mets-le dans le coffre. On s'occupera de la moto plus tard. Désolé, capitaine, je suis venu dès que j'ai pu. C'est vrai? Hélas, oui, c'est vrai. Comment cela a-t-il pu arriver? Il paraît que c'est une overdose.
Oh non. Oh, pas comme ça, pas elle. C'est exactement ce que je pense. Est-ce que Andy est au courant? Non, pas encore, mais il est en route pour venir ici. Oh. Une famille que lui et Tina n'aient jamais eue. Je comprends, monsieur. Et j'admire la façon dont vous les avez aidés. Andy le mérite. C'est un brave garçon. Bien sûr, si je peux faire quelque chose pour vous, dites-le-moi. Oui, Chuck. Pourrais-tu te rendre au commissariat et me remplacer le temps que tout ceci soit réglé? Tout de suite, monsieur. Je suis à votre disposition. Vous m'avez fait demander, capitaine? Andy, il est arrivé quelque chose. J'ai appris pour ta sœur. Je suis vraiment désolée, chérie. Hé, hey Andy, Sarita veut te voir demain soir. D'accord. Merci. Si tu continues à voir comme ça, tu ne pourras plus voir ni parler à personne. Viens, on va aller chez moi. Je t'en prie. Vous savez, vous étiez vraiment quelqu'un dans le temps, monsieur. 120 km à l'heure quand j'ai gagné celle-là. Non, capitaine, vraiment? 120 à l'heure? Mais c'était très vite. vous vouliez me voir, capitaine? Oui, j'ai fait le nécessaire pour que vous quittiez la surveillance et que vous veniez travailler avec nous. Vous ferez équipe avec Andy. Vous commencerez ce soir. C'est une bonne idée, capitaine. Écoutez, Chuck, pourriez-vous passer à la cité universitaire et ramener les effets de Tina pour qu'Andy n'ait pas effectué une besogne aussi pénible? Avec plaisir, monsieur. Excusez-moi, monsieur, vous avez demandé à voir ce rapport dès son arrivée. Ah oui, merci. C'était bien une overdose. Mais on lui a administré plus d'une heure après sa mort. Ses organes vitaux avaient cessé de fonctionner. Nous ne pouvons donc pas en vouloir à Andy de ne pas partir en congé, n'est-ce pas, monsieur? Dans de telles circonstances, que feriez-vous? Je ne partirai pas. Pas avant d'avoir eu le meurtrier, monsieur. Petit déjeuner.
Ça devrait faire du bien. Je veux juste un peu de café. Ce dont tu as besoin, c'est de bonnes vacances. Qu'en penses-tu? Désolé, c'est impossible. Enfin, c'est fantastique d'être aussi irrésistible. Faut pas m'en vouloir. Tu sais très bien ce qui me tracasse. Ce n'est pas grave. Je voulais t'aider. Je sais. À quelle heure Samy a-t-il dit que Sarita voulait me voir? Il n'a pas donné d'heure, seulement ce soir. Non, madame, nous ne sommes pas la SPA, mais le commissariat de police. De rien. Sergent, toute la vie d'une personne dans un carton, ça ne pèse pas lourd. Si elle avait dû voyager, elle n'aurait pas eu beaucoup de bagages. C'est tout? Tout de l'école. C'est évident qu'elle n'y habitait pas. Mmh. Ne dis rien, Andy. Mmh. Pourrais-tu me ranger ça quelque part? Oh, attends une minute. C'est moi qui vais m'occuper de ça. T'as une piste? Peut-être bien. À faire suivre à une adresse du quartier est de la ville. À tout à l'heure. Excusez-moi. Madame, pourriez-vous... Oh! Attendez. Merci. Je suis le détective Roberts de la police. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Juste quelques questions de routine. Je pense que cette fille est une de vos locataires, n'est-ce pas? Non. En fait, pas exactement, mais je l'ai vue. Son petit ami habite là. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Eh bien, c'est difficile à dire. Dans le courant de la semaine dernière, je crois. Et son petit ami, il est là? Je ne pense pas. Il fait des études, vous savez. J'aimerais beaucoup voir sa chambre, si vous le permettez. Ben, est-ce que c'est légal? Je veux dire, il ne vous faut pas un mandat ou quelque chose comme ça? Je peux y mettre toutes les formes si c'est absolument nécessaire. Mais je pensais qu'une propriétaire serait contente de savoir que son locataire va bien. C'est tout. Ah oui, oui, je... Bon, on y va tout de suite. Merci. Regardez-moi ça. On pourrait se blesser. Ah, et qui est-ce qui serait responsable? Mais, on ne trouve plus personne. Alors je dois tout faire, le jardinier et la police par-dessus le marché. Son petit ami, c'est le genre de gars à faire du chahut? Oh non, il est calme comme une petite souris. Et très propre aussi. Si tous mes locataires étaient comme ça, je pourrais me tourner les pouces. Oh mon Dieu! Mais, on dirait qu'il y a eu une bagarre. Oui, une surprise partie un peu spéciale. C'est lui, votre locataire? Oui, c'est Ken. Ken Wilson. Je vous remercie beaucoup, madame. Bien, pourriez-vous m'appeler à ce numéro si jamais ce Wilson réapparaissait? S'il réapparaissait, j'aurais deux mots à lui dire. Quand je pense au chemin que tu as parcouru en aussi peu de temps, cet endroit est absolument fantastique. Et dire que tout ça, c'est à toi. Ce serait parfait pour toi, Andy. Tu pourrais oublier le monde. Il faut qu'on parte. Tu ne restes même pas quelques jours? Non, je suis désolé.
Bon, retour en force à la routine policière. Ce n'est pas de la routine policière, c'est un secret. Bon, je n'ai pas été impressionnée par tes actions secrètes la nuit dernière. Merci beaucoup. Si tu veux que je te dépose au club. Il vaut mieux vérifier. Voyons si c'est le même groupe sanguin que la victime. Ok. Capitaine, ce bond de caisse est daté du 7, la nuit où Tina a été tuée, selon le rapport de l'officier chargé de l'instruction. Bon, je porterai cette photo à la morgue demain matin. Et il faudra vérifier les macabées de John Doe's pour voir s'il n'y aurait pas un certain Wilson parmi eux. Écoutez les gars, est-ce que vous pouvez garder tout ça pour vous, pour l'instant du moins, et tenir Andy en dehors de tout ça tant que nous n'avons pas une piste sérieuse? Apportez-moi ce rapport le plus vite possible. Bien, monsieur. Chuck, tiens-moi au courant de tout ceci. Bien sûr. Ouais? Oui. Je suis à toi tout de suite, Andy. J'ai oublié quelque chose. Je t'attends dans la voiture. De ne pas m'interrompre quand je mange. C'est ton ami de la ville. D'abord au bureau, maintenant chez moi. Oui. Qui a pris la dernière livraison? Lou, comme d'habitude. Seul? Non, ils sont toujours deux pour ça. L'autre s'appelle Wilson. Non, non, vous avez eu raison de m'appeler. Oui. Wilson a disparu, tu sais où il est? Oui. Tu ne te corrigeras jamais. Hein? Tu prends toujours tes décisions sans me consulter. Tu as été blessé au doc en travaillant pour moi, je t'ai soigné. Peut-être trop bien. Maintenant, tu fous en l'air mon organisation. On ne travaillera plus comme ça. Je crois que tu vieillis. Ça, c'est mon problème. En tout cas, t'as tout intérêt à ce que le corps de Squilson disparaisse et définitivement. T'en fais pas, je m'en occupe. En passant, je tiens à te signaler que le type qui vient de m'appeler, j'ai pas besoin de le cogner, je le paye, un point, c'est tout. Il dit qu'il y a une fuite dans ton territoire. C'est un menteur. Vraiment? Tu ferais mieux de contacter Bessie, elle est au courant. Et arrête de faire des conneries, sinon tu pourrais te retrouver au coin d'une rue, ton chapeau à la main, en train de mendier ou bien à vendre des crayons. Je l'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Je vais lui montrer s'il pourra me mettre dans la rue à mendier. Oh merde, vous n'êtes pas obligé de supporter toutes ces conneries. Je lui ferai payer très cher. Va chercher la voiture.
des endroits bien plus chouettes en ville. Pourquoi tu m'emmènes là? Ça correspond peut-être à mon sens de l'esthétique. Mais ton sens de l'esthétique, je m'en fous. Eh tiens, moutarde ou ketchup? Plus ça brûle, plus j'aime. Eh, hey Andy, ta sœur, elle sortait beaucoup? Enfin, je veux dire, elle avait quelqu'un? Non, elle était toujours le nez dans ses bouquins. Tu vises un peu ça? Oh, pas mal du tout. Semelle compensée et boucle d'oreille, ma chère. Je me demande ce qui mijote. Il est dans les dettes jusqu'au cou, je te dis. Voilà pourquoi il sort de là. Mmh. Il vaudrait mieux que ce soit dimanche, tous les jours. C'est peut-être un revendeur. T'as peut-être raison, ouais. Mais ce qu'il revend, ça se caresse. Ça ne se fume pas. C'est un macro qui débute. Il n'a pas beaucoup de succès. Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses au monde piété. C'est nouveau, ça, hein? Andy, tu as osé me faire perdre mon heure de déjeuner pour une filature? Ce sont les revendeurs. Alors qu'est-ce qu'on attend pour les cueillir? Les ordres lisent observer et faire un rapport. Tu veux me voir? Oui, prends-toi à boire. Ok. Excusez-moi, à ce que je vois, vous n'aimez pas les bijoux. Est-ce que ça vous dérange? Je peux vous offrir un verre. Avec plaisir. Que voulez-vous? Je voudrais une bière. Une bière pour la demoiselle. Excusez-moi. Les genoux, c'est cloche. Mais vous pouvez prendre ma main. C'est là qu'elle m'en indique. Tiens, ce bon vieux set, ça me rappelle ma jeunesse. Ah ouais? Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a beaucoup changé. Hein? Regardez-moi ça, c'est cette vieille bique de vessie. Quand c'est que les flics t'ont lâché, négresse? Qu'est-ce qu'elle te dit, la négresse, espèce de vieux cul d'indique? Elle t'emmerde, la négresse. Ma espèce de sale menteuse. Fais le trottoir pour les friser. J'ai appris en tôle la semaine dernière. Une sale menteuse. Quand j'en aurai fini avec ton cul, tu pourras plus t'en servir. Attendez! L'espèce de salopard! Attends. Mon indique m'a appelé. Pareil qu'elle veut me voir. Peut-être que c'est au sujet de Tina. Oh. Bon alors, vas-y, je t'attends là. Salaud!
Que se passe-t-il? Le service t'a pas plu ou quoi? Non, le service est parfait. J'ai dû faire un peu de nettoyage. T'es vraiment pas sortable, hein? Cette belle blonde, c'était elle, ton indique? Elle est morte. Faudrait mieux appeler les flics. Et ben ça, alors... Merde. Barre-toi, la môme. Allô? Allô? Où se trouve le corps de Wilson? Ah, écoute, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, mais je l'ai même pas trouvé. Bah, bien sûr, je me rappelle parfaitement, je l'ai fourré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je pense qu'ils ont dû retrouver le corps. Merde. Ah, bah, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, non, 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 on peut vraiment pas faire ça. Bah, c'est que... Écoute, après tant de temps, ce ne serait pas prudent. Emmène le mutilateur avec toi. Bien. Hein? Ouais. D'accord, d'accord. J'emmène le mutilateur. Salut, mutilateur. De quoi s'agit-il? J'ai besoin de toi. Grimpe derrière et mets-toi ça. Ok. Allô? Allô, Gwen? C'est ça. Est-ce qu'Andy est là? Oui. Tu peux me le passer? Un instant. C'est Chuck. Oui? Écoute, j'espère que je n'ai rien interrompu. Non, c'est trop tard. Bon, j'aimerais que tu m'accompagnes à la morgue. Ils sont en train d'essayer d'identifier un corps. Bien sûr, quand? Je passe te prendre dans 5 minutes. Ok. À tout de suite. Vais vite, cet endroit me donne des frissons. Oui.
vous aider? Oui, on vient chercher le gars Wilson pour le médecin légiste. Ah, désolé, je n'ai aucun Wilson sur mes listes. Il doit être dans les noms identifiés. Alors comment vous allez le reconnaître? Bah, en fait, c'est que je le connaissais personnellement. Vous faites pas partie de la famille, non? Non, bien sûr, mais je suis un ami et j'aurais aimé jeter un coup d'œil sur le corps, peut-être pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, mais je ne peux sortir aucun corps sans identification valable et précise. Je pense pouvoir vous donner ça. Homme jeune, blond, moustache environ 20 ans. Non, je suis désolé, mais il faudra attendre l'identification. Ah, allons, l'ami, une chance, quoi. On a beaucoup à faire et il est tard. Désolé, je dois rester là tout spécialement pour identification sur demande de la police. La police? Mais c'est ridicule. Mais ben, il ne devrait pas tarder. Je les ai appelés il y a environ une demi-heure. Ah! Mais vous êtes fou! Ah! T'aurais dû me le dire tout de suite. Andy, je t'assure qu'on fait le maximum. Peut-être bien qu'on est en train de se bourrer, mais il faut tout essayer. Oui, bien sûr, faut essayer toutes les pistes. Oui, allez, viens. Excusez-moi, mademoiselle, où peut-on trouver Charlie? Je crois qu'il est à la morgue. Merci. Fous-le là-dedans. Cet homme, il a essayé de voler un cadavre. Mais lâchez-moi, mais lâchez-moi, bon Dieu! Je suis officier de police. J'ai un ordre à moi, là. Crampe par derrière. Ça va, Andy? Hein? C'est la morgue la plus vivante que j'ai jamais vue, ça, alors. Et alors, ce corps qu'on devait voir? Ben, je pense que c'est celui-là. C'est Ken? Ken... Ken Wilson. Ouais. Tu le connais? Il sortait avec ma sœur. Ça voudrait dire que... qu'il faisait partie de l'organisation? Et comment, mon gars? Et cette fois, je crois bien qu'on l'a à notre piste. Allô? Alors, Andy? Oui. Ici, Samy. Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un qui veut te parler. Seul. Qui? Je ne sais pas. Et à quel sujet? Je crois que c'est rapport à ce que Sarita t'a dit avant d'être descendu. Il veut me voir maintenant? Allez, tout de suite. Aux sept mers. Je croyais que c'était fermé. Écoute, la grande porte sera ouverte. Ouais, ok. J'arrive tout de suite. Il t'attendra. Qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mis les clés de ma voiture? Dans mon sac. Mais où vas-tu, Andy? Il faut que j'aille aux sept mers. Merde! Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai oublié mon revolver dans la voiture de Chuck. Attends. Prends le mien. T'appelles ça une arme? Enfin, c'est mieux que rien. Je t'en prie, fais attention. À propos, si je ne suis pas rentré au petit jour, appelle le commissariat et dis-leur que je suis allé aux sept mers. D'accord. Thank you.
Andy. Qu'est-ce que tu fous là? Gwen m'a appelé, mais t'en fais pas pour ça, ça va? Hein? Ouais, attends une minute. 10-33 ici, 977-980 a été pris dans une bagarre. J'ai besoin de 10-32 et 10-33 et unité de tireur et de sauveteur au 2200. Où est Franklin? Confirmé. 10-4-977, ambulance 10-51. À 2h du matin. Qu'est-ce que tu sais au sujet d'un type en chaise roulante? En chaise roulante? Oui, un gars sans jambes. Ah, attends un peu. Un des hommes de main d'Angelo a perdu ses jambes il y a 2 ou 3 ans. Peut-être bien que c'est lui. Il a essayé de me buter. Il m'a tendu un piège. Tu t'en es sûr? C'est lui qui était aux 7 mers quand Sarita a été tuée. D'Angelo, hein? Peut-être bien que les choses deviennent claires. Quelle chose? Eh bien, je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire de drogue dans la mort de Tina. Pour moi, ce n'était que la couverture d'un meurtre ou d'un accident. La mort de Wilson a tout clarifié. N'as-tu jamais remarqué que nous n'avions que des petites histoires de drogue? On est toujours passé à côté de grosses prises. Quelqu'un est à la tête? Bien sûr, d'ailleurs, on le savait. Mais quelque chose me tracasse depuis un moment. Et quand je suis venu te rejoindre tout à l'heure, j'ai eu le déclic. Et alors? Ça va pas te plaire du tout. Tu peux me laisser juger de ça. D'accord. Quand j'ai cherché dans l'appartement de Wilson, je suis revenu avec 3 preuves. Ah oui, tu me l'as déjà dit. Et d'une, Hatt a pris la photo de Wilson pour vérifier à la morgue. Mais c'est la routine. Mais il n'a pas vérifié. Il n'a rien vérifié du tout, et de deux. Et il a dit exactement ceci, qu'il fallait voir si l'un des deux était bien un dénommé Wilson. Et alors? Alors, je n'avais pas encore fait de rapport. Je n'avais jamais mentionné le nom de Wilson. Attends un peu. Peut-être bien que ce type était fiché depuis longtemps. Non, il était blanc comme neige. Il n'était arrivé en ville que pour la reprise des cours. Tu voudrais me faire croire que Hatt se fait payer? Je t'avais dit que ça ne te plairait pas. Tu te trompes pour Hathaway. J'aimerais me tromper, Andy, mais il faut vérifier tout ça. De toute façon, s'il est innocent, rien ne peut lui arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Hatt pense qu'on fait tous les deux équipe la nuit. On va donc le surveiller 24 heures sur 24. L'un de nous le jour, l'autre la nuit. Qu'en penses-tu?
du tout cette bagarre avec les flics. Et surtout avec celui dont la sœur a été butée. Il y a encore beaucoup de choses qu'il n'appréciera pas. Bon, je prends la relève. Et barre-toi. Tu sais pas ce qu'il veut ? Bah, si tu veux le savoir, va lui demander. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Comme la fabrique est fermée aujourd'hui, je lui ai dit que son copain flic voulait le voir là-bas illico. Qu'est-ce qu'il va faire si le flic ne vient pas ? T'en fais pas pour ça, il y sera. J'ai décidé de faire d'une pierre deux coups. J'ai bien peur que nos Lex ne soient devenus un peu trop gênants pour nos activités. Voulez-vous que je leur lève de ses fonctions ? Oui, pendant mon absence. Pas ici. Fais attention à la chaise roulante. On va le débarrasser de son joujou sans plus tarder. C'est là. D'accord, je vais te déposer. Pendant ce temps, j'irai déjeuner. Je reviendrai te relayer après. Prends tout ton temps. Il se lève tard. Hé ! Il a l'air d'être pressé. Je crois bien qu'on va se passer de petit déjeuner. Attendez-moi là, les gars. J'ai une course à faire.
chercher la voiture. Ça va. 1 Baker 5 1 Baker 5. Alors, si tu étais trafiquant de drogue, dis-moi un peu de quoi tu aurais absolument besoin. Faudrait un endroit pour stocker et pour préparer les doses. Exact. On y va? Ouais. Attends-moi là. Qu'est-ce que tu veux encore? J'espère que c'est important.
qu'est-ce qui est important? Et en plus, tu fais de l'esprit, dépêche-toi, j'ai pas l'habitude d'être convoqué par mes employés. Non, attendez un peu, c'est vous qui m'avez convoqué. C'est un piège. Qui vous a appelé? Nolex m'a donné le message. Et c'est lui qui m'a appelé. Alors j'avais raison. Il est devenu un peu trop ambitieux. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Sois sans crainte, cher ami. Dans la mesure où c'est Nolex qui t'a prévenu, on ne risque rien. Que voulez-vous dire? Je t'expliquerai ça ces jours. Tu n'imagines vraiment pas la précision que tout cela exige. Il va falloir que je te trouve un autre contact. Et ça commence à être risqué. Il me faudra une part plus importante. On reparlera de ça au déjeuner. J'ai un rendez-vous, il faut que je m'en aille. Non, nous allons en parler maintenant. Messieurs! Unité 980, urgence 1033, circulation. Toute unité en alerte, plan numéro 1033 en place. Allez-y, 980. Unité 980, poursuivons Camaro 1973, couleur orange, direction ouest sur la 9e, conduite par un homme blanc, recherché pour trafic de drogue. Véhicule suspect aperçu. Poursuivons avec 980. Faites bloquer toutes les routes. Véhicule pris en chasse se dirige vers Ouest Magnolia. Unité Adam 3 et Adam 7 en alerte pour intercepter angle 9e et Broadway. Véhicule suspect s'approche du pont. 977, 980, vous voyez toujours le véhicule? 10 cap approchant du pont.
plus, vous êtes de la police. Vous n'êtes pas un peu fou? Regardez! Véhicule suspect vient juste de traverser le pont Davis. Avis à toutes les unités voitures de police accidentées, signalées au point numéro 4. Véhicule suspect toujours en direction de l'ouest sur la 9e à grande vitesse. Véhicule suspect en vue. Je le poursuis. ...980, véhicule suspect longe la route du canal. Avons besoin de renfort. Adam 8 prend la poursuite. Est dans le secteur de Picnic Island. On est sur la route des docks.
980, véhicule suspect toujours en vue. Unité 1, Charlie 3, 1, Charlie 6. Quelle est votre position à cette heure? Adam 7, avant véhicule suspect vers les docks. Aire d'embarquement des docks. Retrouvez véhicule suspect 10-20. Véhicule suspect s'approche de l'aire d'embarquement. Toutes les unités prêtes au dock pour intercepter le véhicule. Moi. Je n'y suis pour rien dans la mort de Tina. Dans ma poche. J'ai une liste. Six gun, and he died with his hands